Bien joué. Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là, la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Et salut à tous, mes oursons. On se retrouve pour l'épisode 3 de l'Objectif Régional. C'est la rencontre face à Aimargues, donc la quatrième journée. C'est une rencontre un peu spéciale parce que, eh bien, on est obligé de gagner 5-1 ou 6-0 il me semble, pour qu'on reste premier de la poule. Avant la dernière journée. Voilà, ça a son importance, vous comprendrez ensuite. Aujourd'hui, on affronte Aimargues. Donc, vous reconnaissez peut-être un peu le club parce que c'est là où j'ai fait un tournoi récemment, où j'ai fait tout simplement un bon parcours. Aujourd'hui, on joue donc un local, Philippe, que j'avais déjà joué il y a des années de ça. Je l'avais gagné il y a 6-7 ans. On était clairement pas au même niveau tous les deux. Et voilà, bah aujourd'hui c'est une petite revanche pour lui. Je l'avais gagné à l'époque. Et on va voir ce que ça va donner dans des conditions différentes. Je commence le match un peu... tendu. J'arrive pas à sentir mes coups, je manque de toucher, je manque de confiance. Alors bon, j'essaye de pas trop faire de fautes, mais c'est essayer, c'est pas réussir clairement. J'en fais énormément. J'arrive pas à mettre une balle dans le terrain, j'ai pas de jambes, c'est très compliqué pour moi. J'essaie ce qui marche bien pour moi, le chip and charge plein centre, histoire de pas donner d'angle. Alors vous allez voir, c'est un joueur qui crie beaucoup. Il fait énormément de hydrants, comme ça s'est passé à Wimbledon pour Djoko, pour ceux qui ont suivi. Il crie énormément. Quand il court, quand il va taper la balle, quand... peut-être pas quand il tape la balle, mais quand il court, quand il se bat, c'est un mec qui fait beaucoup de jeu. Allez, j'essaye de débreaker parce que je me suis fait breaker directement quasiment. Voilà, j'essaye sur seconde de faire un chip and charge de nouveau, mais ça marche pas des masses. Il me fait un beau passing de revers. Pas mal ça. Accélérer. Ouais. J'ai tenu. Il n'y aura pas 4-1. Du moins, pas de suite. Donc oui, c'est une rencontre... un peu spécial parce que... Solide. Très solide. C'est une rencontre un peu spéciale. Donc c'est la quatrième journée. Il y a 5 journées dans la poule. Il y a 6 équipes. Et eh bien on est premier à égalité avec l'équipe du TC Cigale. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier c'est ceux contre qui on a joué en demi-finale du championnat du Gard. Ils étaient eux aussi montés de la division 1 à la division d'honneur. Et donc oui, voilà, cette année, on les joue la dernière journée et on sait que ça se jouera contre eux. Donc là, on est à égalité de points avec eux, sauf qu'on est devant au match average.
on est devant de 2 points, soit une victoire et une défaite quoi. Ça veut dire que il faut qu'on fasse 6-0 pour être sûr d'être toujours devant eux pour la dernière journée. Parce que la dernière journée, on pourra se permettre de faire un match nul pour monter en régional par la suite. Allez, c'est pas mal. J'essaye un peu plus de mettre mon jeu en place, mais c'est pas facile parce que Philippe fait très peu de fautes. Il court énormément. J'ai beaucoup de mal. Donc là voilà, là il a une balle de break. Vous voyez, j'ai un petit problème. J'ai du mal à... Il y a pas les fautes. J'ai un petit problème pour me placer quoi. Alors c'est pas non plus la seule fois où ça m'arrive. Mais j'ai beaucoup de mal à m'ajuster là, je suis clairement pas en jambe. Je suis pas réveillé en fait. Tout simplement, je suis pas réveillé, ça arrive hein, un dimanche matin. Ouais. Ouais. Ah dommage, elle est juste à côté. Elle est vraiment limite. Je l'avais bien jugé parce que là, en regardant image par image, ça sort vraiment de pas grand chose. Voilà, on essaie de construire. Parce que ça sert à rien d'avoiner sur Philippe. En fait, il est. Il fera très peu de fautes. Il y a très peu de fautes qu'il fera par lui-même. Donc. Là je manque des réussites parce que j'avais bien construit. Donc non, il vaut mieux jouer justement à son jeu là. À son jeu là. Donc renvoyer la balle, patienter, parce qu'il y a un moment où il pourra la faire la faute quoi. Et là bon bien sûr bah, je vous dis ça et bah, je perds ce premier set. Voilà. Je perds ce premier set, j'ai pas été bon du tout tactiquement. J'ai manqué de lucidité. Le second, en fait, ça m'a débloqué un peu d'avoir perdu le premier. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je branle, quoi. Juste mets un peu les jambes, et on n'en parle plus, quoi. Le match, tu sais que t'es meilleur. C'est même pas de la prétention, mais c'est... Je suis meilleur, petit lobe main gauche, d'ailleurs, au passage. Ouais. Bon après là j'ai un peu croqué. Là j'ai un peu croqué, je me suis un peu lâché. Je sais pas, j'étais en confiance, je me suis dit je vais faire un coup un peu farfelu. Ouais donc ce que je disais c'est que oui, y a pas de doute à ce niveau là, je pense que lui-même le sait. Je suis quand même un petit peu au-dessus sur le plan tennistique, sur le plan technique et tactique, après il faut juste que j'arrive à le mettre en place. Parce que sur ce principe là, oui ben je peux être meilleur que plein d'autres personnes, mais faut-il arriver à le faire. C'est beau, c'est bien beau de le dire, mais il faut le faire après. Voilà. Ouais. J'ai bien fait de la taper un peu fort. De voler en revers. Donc ouais, j'essaye d'être intraitable. Avec moi-même, c'est-à-dire que ben ouais, faire zéro faute, essayer d'optimiser mes attaques, pas trop en mettre non plus, histoire de pas surjouer. Voilà, par exemple là, je vois qu'il est très reculé, et moi je lui fais un petit croisé court, parce que je vois qu'il est un peu loin derrière sa ligne de fond de court, petit croisé court et je gagne sur un point gagnant, parce que la balle rebondit deux fois. Derrière, j'essaie de lâcher un peu mes services. Bon là, un peu de réussite sur ce coup. Ça arrive. Ouais. Et j'arrive à bien lire le jeu. Et ça, c'est un de mes avantages aussi.
pour ça d'ailleurs que j'arrive à bien courir. Pas parce que je suis dynamique, mais parce que j'arrive à lire un petit peu le jeu de mes adversaires. J'essaye d'anticiper un maximum. Alors, des fois je me fais avoir, je prends des contre-pieds. Là ça marchait plutôt bien contre Philippe. Ouais, il faut y aller. Ça c'était pas mal la petite montée. Donc voilà, le troisième set il est lancé. Ah c'est un peu court. Allez. C'est dommage. J'étais pas loin. J'étais pas loin mais il y avait le grillage qui m'a gêné. Donc c'est un peu compliqué de la renvoyer. Voilà, tranquillement. On essaye de pas trop donner de puissance pour qu'il s'appuie dessus parce qu'il aime ça. Et on joue surtout le revers. On joue surtout le revers parce que ben c'est le point faible de beaucoup de joueurs. Voilà. Petit 1-2 sur le revers. Allez, deux fois. Voilà, je sauve deux balles de break comme ça. Encore. Et voilà. Trois balles de break. Sauvé comme ça. Et ensuite, même quand c'est pour terminer le jeu, pareil. Des kicks. Vous avez vu, hein, c'est quatre fois le même point. Côté avantage, kick sur le revers. Décalage coup droit et attaque quoi. Vous avez vu qu'en fonction il n'y a pas besoin de la taper plus ou moins fort, juste la placer des fois, ça suffit amplement. Voilà que ça m'a joué de ma part. Et lui il est très très bien relayé. Ah, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle était trop simple. Et ben, je sais pas. Il y a eu une sorte de fourbe. J'ai pas trop compris. Et j'ai été surpris par la balle. Ça arrive, écoutez. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Ouh. Ouais, ça crie un peu. Hein. Il y a son collègue à côté qui vous dit, mais tais-toi, ferme ta bouche. C'est ultra perturbant de jouer avec quelqu'un qui fait énormément de bruit comme ça. Ouais, là j'ai pas le bon choix tactique là. Là je dois rejouer long plutôt que faire une amortie. En plus il y allait, enfin c'est trop bête quoi. Ouais pas mal. Bon là on est sur du gros bourrin. Il y a pas de doute. Ouais, pas mal. J'essaie de tenir la diagonale là en revers. Je sais que j'en suis capable, donc voilà, jouer un peu haut. Et dès que j'ai une possibilité, paf! Dans l'angle. Beaucoup de réussite, vous me direz. Mais bon, c'est prémédité. Le but, c'était d'envoyer une sorte d'ogive long de ligne pour s'ouvrir le terrain. Allez. Ça crie, hein. En plus de ça, je le fais galoper le pauvre. Là, je me joue un peu de lui. Enfin, c'est pas pour le. Comment dire? Pour lui manquer de respect. Mais c'est juste que tactiquement, le faire courir histoire de le cramer un peu, ça m'arrange un peu, ça me facilite, on va dire, un peu plus pour terminer le match. Allez, 80-40A. Là, il faut que j'aille le chercher ce point histoire d'avoir un. Oh non, j'aurais pu avoir une balle de break derrière pour servir pour le match. Allez, ok, un peu long, pas mal. Le revers, nickel. On essaie de jouer bombé. Hein. C'est le mot d'ordre, hein, c'est bombé sur le revers. Voilà, on décalage coup droit, on attaque un peu plus. Pas si bien touché que ça. Mais le petit effet rétro l'oblige à avancer dans le terrain. Et donc, il fait la faute. Voilà, pas mal encore une fois. Vous avez vu le revers haut. Et là.
Ça s'applique, ça. Ça, c'est parti très fort. Ça, c'est ce qu'on appelle du relâchement. Ouf. Et là, pareil, 5-1, 15-40. Je serre sur son coup droit, il me la renvoie long de ligne et je fais un beau volet réflexe. Là, petit lob. Mettez un like. Abonnez-vous. Le smash de dos au filet, long de ligne. Le service volé amorti rétro, voilà, je reviens de 15-40, j'enchaîne les 4 points suivants. Et balle de match. Ace extérieur. Voilà. Tout ce qu'on aime dans le tennis. Bon, bah écoutez, c'est la petite victoire sur Philippe. C'était un gros match. Moi, je me suis régalé. C'était pas facile sur le plan physique. Parce que de bon matin, un dimanche... C'est un peu compliqué pour moi de me mettre en jambe. Pourtant j'ai joué en deuxième rotation, enfin en seconde rotation pardon, et j'avais le temps de me réveiller quoi, mais ça a pas suffi. Les résultats de la rencontre, parce que voilà, on n'a pas filmé les doubles, on a gagné donc les 4 simples et les 2 doubles. Chacun a gagné tranquillement de son côté, il me semble. Il semble juste que Maxime, là qu'on voit à droite sur la vidéo, blanc et en rouge au fond, fait 3-7 si je dis pas de bêtises sur Hugues. Et puis ensuite le reste c'était facile. Ça s'est joué, ça s'est bien. Ah non, c'était pas contre Landry, c'était contre Mickaël, pardon. Je crois que contre Mickaël il fait 3-7 si je dis pas de bêtises. Bon. Vous verrez, il y a les résultats qui s'afficheront juste après. Et puis voilà, donc. Qu'est-ce qui se passe? On est premier à égalité avec la Cigale. Ça veut dire que la dernière rencontre se jouera face à la Cigale. Il y a égalité de points. On est devant au match average. Il nous suffira d'un match nul pour aller en régional. Et ça, c'est cool. Ça sera la prochaine vidéo. Et donc, la dernière de cette série. Il y aura un peu plus de contenu parce qu'on a un peu tout filmé avec les copains, tout ça. Les échauffements, les matchs de chacun. Enfin, il y a une petite histoire qui va être créée. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour rien rater. Et je vous dis dans quelques jours pour le dernier épisode. À l'ours.